La définition de la start-up, c'est un petit business, pardon de l'anglicisme, qui a juste commencé et qui est en train de chercher pour améliorer son business model et ses finances. Et vous voyez très bien que ça peut répondre, définition répond en fait à la création d'une entreprise, je dirais normale, et d'une start-up. Une entreprise normale, elle cherche aussi son business model, d'accord ? Elle cherche aussi des financements. Une start-up, effectivement, vous rajoutez l'innovation et la concentration de moyens, et là, vous êtes bon. Là, vous le verrez, c'est pas la peine que je vous explique, vous avez effectivement le processus de start-up. Ce qui est intéressant et à noter, c'est que dans le processus de start-up, hein, est clairement explicité que, bah, quelquefois, il y a des échecs. En France, il y a des échecs. Je ne sais pas au Vietnam quel est le taux d'échec. En France, le taux de survie des start-up, c'est 20%. Et encore 20% à la suite de l'incubation. Donc c'est compliqué. On considère en France qu'une entreprise est à peu près viable si elle a 3 ans d'existence, 1 million de chiffre d'affaires et environ 6 personnes. Ce sont des critères comme d'autres, mais bon, c'est... Et en fait, ben, y a une itération pour derrière arriver au succès. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu la raison de la mise en place d'un écosystème d'incubation, justement pour limiter ce facteur d'échec et voir comment on peut capitaliser sur ces échecs pour trouver des nouvelles solutions qui permettent effectivement d'améliorer le taux de survie des startups, parce que le but, effectivement, c'est la commercialisation, je dirais, d'un produit, c'est la création de valeur ajoutée, c'est la création d'emplois et c'est le développement économique. C'est ça le. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on met en place pour assurer un meilleur accompagnement des startups et des entreprises, on met en place des écosystèmes. Un écosystème, c'est une communauté d'organismes vivants, hein. Ça c'est la définition première, et avec des composants, des ressources, pas forcément du vivant, et qui structure un environnement, qui façonne un environnement. Et en fait, quand on mentionne un écosystème de start-up, en fait, on s'appuie sur trois éléments structurants. D'abord, c'est les talents. Parce qu'il faut avoir, il faut faire du, pardon de l'anglicisme, il faut faire du sourcing de talent. C'est-à-dire que c'est pas facile de monter une start-up, ça demande du travail, ça demande de l'intelligence, ça demande de la motivation. Donc il faut avoir des gens, hein, qui veuillent se lancer dans l'aventure. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est toute l'organisation support et toute l'organisation suivie. Hein. Donc tous les juristes, tous les banquiers, tous les incubateurs, tous les comptables, pour que, en fait, on apporte une structure support au porteur de projet et à son équipe, afin qu'il ait tous les éléments pour pouvoir le mieux possible répondre à, je dirais, des exigences du marché, des exigences juridiques, comptables, etc. Donc, qu'il soit bien armé pour ça. Et il existe des structures de support. Et puis, vous avez besoin de financement, parce que sans finance, vous ne pouvez rien faire. D'accord ? Et que avec les finances, bah, vous pouvez développer vos activités. Alors, il y a plusieurs types de financement. On ne va pas rentrer dans ces liens. Vous avez le love money, vous avez des financements non dilutifs, c'est-à-dire qu'on va vous prêter de l'argent sans rentrer dans le capital. Vous avez des financements dilutifs, c'est-à-dire que vous avez des venture capitalistes qui vont venir dans votre capital, mais qui vont prendre des parts. Donc, voilà. Donc, c'est soit vous avez des aides, des dons, des prêts, ou des prises en capital. D'accord.